Salut YouTube! Eh oui, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci, on termine Metroid Prime 2. Je vous le dis. On y croit. Silent Genius vous dit coucou. C'est bien la preuve qu'on va y arriver. Par contre, j'ai un petit problème avec ma Wiimote. Et a priori, la visée marche pas super bien. Et bah des bisous Gigit, des bisous. Donc voilà, si je joue mal, c'est de la faute à la Wiimote, hein. Vous êtes prévenus, ce n'est évidemment pas ma faute. Et donc je disais en live, oui, que j'ai acheté Other M, donc on va aussi se faire Other M à un moment, un jour. En fait, la Wiimote... Ah voilà, dès que je vais à droite, ça part à donf, à droite... Oh merde. En fait, faut que je reste bien au milieu. Non, c'est bien, ça va m'obliger à rester que au milieu. Faut pas que j'aille sur les côtés. J'ai augmenté un peu le son, il est bas. Ah mais c'est pas comme ça qu'il fallait que je les bute, je suis con. Mais non mais je les ai tués, je les ai tabassés avec le... Ouais bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis tombé. J'aurais dû les tabasser avec le rayon sombre en fait. Pour avoir des charges de rayon clair. Des rayons Julien clair. Ah oui il fallait que je... Avec je scanne le machin là. Ah ça a l'air d'être mieux sur la Wiimote là. Ah elle a l'air de moins déconner. C'est un diesel. C'est un diesel, fallait qu'elle chauffe. Et donc là j'arrive là. Paf. Et là, méchant boss. Regardez, méchant boss. Et donc là, de ce que j'ai vu, ils utilisent ce rayon-là. Bon, il est arrivé quand même à Locke. C'est le moment. Rabia! Mais non, mais elle chie! Oh là là, mais c'est pas possible. Rabia qui se fout dans le capteur, quoi. Ça commence bien. Ah ouais, ça... Ah ouais, mais carrément! Ah mais c'est tellement mieux! Ah mais ouais, mais... Ok, bah fallait savoir. Hein. Regardez ça! Bon, le lock est toujours pourri, mais. Hop! Merde! Oh là là, mais fallait le savoir ça. Et merde. Allez ! Allez ! Par contre, je fais zéro dégâts quoi. Merde. Pourquoi ça tourne autant de fois là? Arrête-toi. Oh non, merde, j'en ai plus. Si, y en a encore là. Regardez, y en a un peu là.
Bon du coup je suis obligé de le faire à l'ancienne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Oh là là. On voit rien. Notre joke, on voit toujours rien. Voilà, le lock. Que je vais reprendre. Ok. Quoi? Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Merde, merde. Ah merde. Merde, ça les a pas eu. Ah, je vais y arriver. Aïe. C'est pas grave, hein. Je sais que je peux me soigner sur la deuxième phase. Donc honnêtement on s'en fout un peu. Putain. Ah là 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 là. Ah, on s'amuse. Hein. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi le lock 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 marche pas? Pourquoi le... Parce que le jeu est de la merde. Pourquoi... Parce que le jeu est de la merde. Pourquoi le jeu est de la merde? Ah vas-y. Là. Un coup sur deux. Allez, lock. Lock, putain de merde. Putain de merde. Lock un petit peu, espèce de con. Ah. J'avais l'impression d'avoir eu la tentacle, mais a priori non. Voilà, super. Non, on est bien, on est bien. On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse pas du tout. Merde, 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 merde. Non, 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 ferme pas, ferme pas. Oh là là, le zéro de vita, elle fait chier. C'est le boss final, ouais. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais remettre du rayon d'annihilation, là. Annihile. Allez, vas-y, annihile. Annihile. Mais arrête. Allez, non mais il n'y a plus qu'une tentacle là, faut y aller hein.
Dis donc. Ça allait plus vite, sur le... Attends, il y a Rabia qui revient. Ça, putain, elle va me faire chier pendant tout le jeu. Dans le jeu en relou, quoi. Bon, là, je vais... Voilà. Là, par contre, je vais récupérer la vie. Je vais récupérer des munitions. Voilà. J'essaie de tout récupérer. Allez. Oh là là, mais je... Je vais récupérer de la vie, s'il vous plaît. Ouais, déjà, il me file les munitions avant, parce que c'est la ressource dont je dispose le moins. Par contre, je vais crever... Non, je veux pas crever, par contre. C'est possible de pas crever? Ok, de la vie. Oh là là, ouf, oui. Oh là là, c'est chiant. Je voyais mieux la dernière fois parce que j'avais pas ce contre-jour merdique. Mais si, de si loin ? Genre ça peut me sniper de si loin quoi. Non mais qu'est-ce qui... Arrête ! C'est bien qu'on peut plus remonter, hein. C'est vraiment bonne idée. Hein. Merde, j'ai tiré trop tôt. Et on voit rien, c'est chiant. Ah bonjour, c'est chiant. Voilà, un de moins. Ah super, 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 super. File-moi de la vie au moins, merci. Merde. Oh, je l'ai fait beaucoup trop tôt. Yeah, des munitions, c'est cool. Encore de la munition. Et donc pour la prochaine phase, il faut utiliser le... C'est ce que je faisais en fait. Il faut utiliser les méga missiles là. Et derrière après il faut utiliser le rayon d'annihilation là. Juste en mode tire. Faut pas le charger en fait. Faut vraiment juste tirer. Et a priori c'est ça qui fait du, pas mal de dégâts au boss quoi. J'en suis où de ma vie? Ouais d'accord. J'ai pas encore full life. On va attendre d'être full life quand même. Voilà. Pas bon truc. Oh oui, ouais. Bien. Dommage. Il y a encore un truc en bas. Oh putain, il y en a tellement en bas là. Ok, un de moins. La grosse vie. Cool. Il faut que je chope lui là. Aïe, mais putain, mais la portée.
Ça prend du temps, mais je veux pas faire un speedrun, hein. Je veux juste récupérer ma vie et mes... Merde. Merde. Putain, je me suis fait tellement toucher, quoi. Oh, mais... On les voit pas, les merdasses. Mais quelle idée de nous foutre des ennemis noirs sur un truc noir, quoi. On dit, tiens. Sur un cocon noir, si on foutait des ennemis noirs. Est-ce que ça serait pas méga bien, les gars? Ils ont tous fait, ouais, ça serait super comme idée, vraiment, t'es un génie, Robert. Alors que pas du tout. Robert est un vrai connard. Oh, oh. Putain, mais c'est pas... Je me suis fait bolosser par quoi? Ils sont 12, ça m'énerve. Ah, niveau vie, on est pas mal. Yes. Bon allez. On va aller buter le dernier. Ok. Et j'espère que j'ai récupéré plein de vie. Enfin la vie ouais c'est ok, mais j'espère que j'ai récupéré plein de munitions par contre. Non, non, commence pas comme ça. Oh, attends, commence mal. Hein. Et dès qu'il ouvre la bouche, hop. Et là ensuite, paf, non, rayon comme ça. Quand il ferme sa bouche, on fait plus rien. Et après, on le rebourre. Vous voyez le principe? Et là quand il repasse au jaune là. Tac. Tac. Et on rebourre. Merde. Aïe. Et voilà, hop, là je recharge. Merde, j'ai loupé. On attend qu'il rouvre sa boubouche. Boubouche! Oh non, mais c'est dégueulasse! La boubouche. Ah, j'ai plus beaucoup de charge. Hein. Voilà, j'en ai plus. Je fais quoi maintenant? Merde. Je tire alors qu'il a la bouche fermée, c'est complètement con. Merde. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok.
J'attends qu'il ouvre, j'attends qu'il ouvre. Quoi ? Je me suis gouré ! Putain, j'avais pas chargé le bon truc. Merde. Évidemment, parti dans le vent. Mais merde ! Qu'est-ce que je fous ? Mais pourquoi ça passe à côté ? Mais je mise tout le temps, c'est nul ! Putain, c'est pas vrai ! C'est pas vrai, 12 coups dans le vent. Aïe, aïe ! Mais merde, il a toujours pas changé. Je peux pas y arriver. Putain, enfin, ouais. Merde. Ouvre ta gueule, vas-y. Oh yes. Oh yes. Ah bah voilà, bah quand on connaît les strats... Quand on connaît les strats, c'est plus facile, évidemment. Hein. Je vous jure. Ah merci, merci pour les GG. Ah bah tout de suite, c'est mieux, hein. Si j'avais su ça la dernière fois. Combien de temps il m'a fallu là? 20 minutes. La dernière fois j'ai passé 1h30 dessus. Et c'est pas passé. Et là 20 minutes c'est plié quoi. On va peut-être faire du Isaac après. Hein. Oh, je vais enfin terminer ce jeu de merde. De ce merveilleux jeu. Extrêmement rigolo. Je voulais dire. J'ai l'impression que tout est en train de s'écrouler. Est-ce qu'on n'aurait pas une phase? Est-ce qu'on n'aurait pas une phase où il faut s'échapper? Putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le saut est nul. Alors attendez, faut bien viser. Regardez, hop, hop. Mais pas... Putain mais... C'est une blague. J'ai pas envie de crever, hein. Je vous promets, si je crève là-dessus, je pète un plomb. Hein. C'est quoi cet enfer? Putain, faut vraiment bien le viser. Hein. S'en aller ? Il faut s'en aller. Et s'en aller. Bon, on repassera pour la fin. Putain. Oh merde. Imaginez, je meurs pendant la phase de fuite. Je suis obligé de me retaper le boss. Ça vous ferait plaisir ou pas que je me retape le boss ? Ah ! Et là ? Sur qui qu'on tombe? Sur qui qu'on tombe? Qui que c'est? Qui que c'est qui est pas content? Oh! Oh bah elle a l'air moins en forme. Attendez, regardez, par contre, là, cette fois-ci, hop. Merde. On peut pas la toucher quand dans ce mode-là. Quoi? Oh! Mais c'est normalement... On peut toucher ou pas? Merde. Non, pas là. Allô? Allô? Quoi? Putain mais c'est quoi ces conneries? Comment on la bute? Comment on la bute?
Je peux pas la voir. Putain, c'est pas possible. Putain, elle est juste derrière moi. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Oh là là, mais... J'en ai plein le cul de ce jeu. J'en ai plein le cul de ce jeu, peut pas lui faire de dégâts. Pendant ce temps-là, nous éclate, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Samus sombre, surchargé d'énergie phason. Système d'armement et de défense phason à pleine puissance. L'exposition au phason a rendu le Samus sombre invincible. Non, invisible pour votre viseur sombre. Ok, ça veut dire que ça veut dire, ouais, c'est super, je m'en fous. Moi, je veux juste pouvoir lui tirer dessus. Ah oui, ça marche là. Putain, elle est où? Elle est où? Merde. 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 Putain, je lui ai fait que ça comme dégâts. Je vais crever. Oh, je vous jure, je vais péter un plomb. Putain, mais c'est ouf. Mais qu'est-ce qu'il faut lui faire? Putain, ça lock pas, ça lock pas, c'est chiant. Ok. Ok. Non mais par contre, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. j'en ai marre de ce jeu, hein. Non mais c'est le... Dernier combat. Guide des boss de Metroid, ok. Donc, Samus sombre 3, le principe, le combat est dernier que vous avez mené, vous avez intérêt à rester concentré. Pour battre Samus sombre, il faut toujours la bourriner. Mais quand elle sera invisible, le viseur écho vous permettra de la voir. Ensuite, quand elle s'enferme de sa sphère de phason, pensez à l'analyser une deuxième fois. Lorsqu'elle est dans sa bulle, il faut esquiver ses coups tout en chargeant le rayon de puissance. Et dès qu'elle lance une pluie de mini-projectiles de phason, absorbez un... Hein? Quoi? Dès qu'elle lance une pluie de projectiles de phason, absorbez-en 3 pour obtenir un rayon chargé sauce phason. Voilà qui est parfait pour transpercer sa protection. Allez-y, tirez dans la bulle, préparez-vous à reprendre au combat. Au fur et à mesure du combat, elle passera de plus en plus de temps dans sa bulle de phason jusqu'à plus en sortir. La victoire mettra un terme à cette aventure. Quoi? Faut choper le phason? Oh là là, mais d'où on le sait que ça faut... Non mais le phason nous fait du dégât depuis le début. Et là... Là, je chope du phason, mais ouais, mais elle me fait des dégâts en fait. Et le lock qui est aux fraises. Oh, putain, mais ça a pas marché. Le lock, putain. Je vais pas l'avoir. Quoi? Ça c'est quoi? D'accord, ok. Je sais pas ce qui se passe. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Ah, c'est là. Bien, ça marche pas. Putain, mais...
Je vais crever. Je vais crever. Je vais être obligé de refaire tous les boss. C'est trop bien. C'est trop bien, pas du tout. C'est nul à chier. Attendez. Ça me sombre. Je faut analyser. Ils m'ont dit faut analyser. Ok, bon. Oh, putain, je suis dégoûté. Composé de phason instable. L'énergie de phason contenue dans la cible est à présent instable, invulnérable à toute forme d'arme, à l'exception de celle utilisant l'énergie de phason elle-même. Ramasser le phason qu'elle expulse pour l'utiliser comme une arme. Comment je fais? Hop, Prime 2, je vais aller voir. Je vais aller voir une solution. Hein. Écoutez. Écoutez, vu que les combats, on y pige que dalle du début à la fin. Putain, pourtant, les combats avec Samus, à chaque fois, c'était les trucs bien, quoi. C'était les seuls trucs qu'il y avait bien, c'était. Voilà, jusqu'à hein, tu mets ton viseur écho pour le voir. Deux missiles, un Dark Samus 4. Pour battre, faut utiliser le phason beam. Demande comment? Eh bien, je te le dis gentiment. Tu charges ton rayon de puissance, puis t'attends que Samus fasse son genre de bouclier de phason. Alors là, tu évites les super missiles, puis quand elle laisse plein de petits missiles dans les airs, tu essayes de les faire entrer dans ton charge beam. Oh putain. C'est la merde. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Comment on peut deviner ça? Mais c'est bon ça. Non, mais ça c'est bon. Arrête. Attendez. Donc. Ça, je m'en comprends. Oh, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Comment on les fait entrer? Mais c'est quoi ce délire? Je vais perdre. Oh, je suis deg. Oh, je vous jure, je suis dégoûté, quoi. Comment on fait entrer les putains de missiles à la con, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Comment on fait? Comment on fait? Oui. Bah j'ai plus que 29 en vie, je suis mort quoi. Oh putain, je suis deg. Déjà j'ai plus le temps. Ouais voilà. Oh, oh la dégoûtance. Ah non. Ah, continuez. Non. Oh est-ce que... Oh yes. Oh merci le jeu. Oh merci le jeu. Ils ont pensé à ça. Ils ont pensé aux joueurs qui étaient nuls. Oh merci. Oh merci d'avoir pensé aux joueurs qui étaient nuls. Oh là là, oui. Oh oui. Oh, ça me fait plaisir. Merci le jeu. Pour une fois, je te remercie le jeu. jeu de merde. Ils se sont rendus compte que leur boss était pas clair et qu'ils étaient nuls. Et donc du coup ils se sont dit tiens. Et si on faisait une sauvegarde auto là à ce moment là. Les génies. J'ai eu peur. Enfin, je me suis dit faut que je me retape l'autre glandu là. J'ai eu très peur. Allô? Allô?
Merde, elle était déjà dans son mode à la con là. Putain mais il est tellement rapide son truc là. Putain. Allez le lock, merci. Eh merde. T'es déjà mort, ok. Ok. Alors là, faut que je la, ouais, faut que je la scanne. Sinon, ça marche pas. Là, 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 là. Non mais merde ! Oh, j'ai les loupés. J'ai les loupés. Putain mais comment on les attrape ces merdasses ? En plus je me fais toucher donc du coup ça m'arrête mon charge beam. J'arrive pas hein. Putain j'arrive juste pas quoi. Et merde, on est parti à zéro. Ah putain c'est long. C'est long, c'est chiant. Mais pourquoi ça décale sur le côté? Je lui demande juste de sauter en l'air et ça marche pas, putain. Ça m'énerve. C'est de la merde, c'est de la merde. Super, c'était bien ça. Ça tire à côté? Parce que c'est barré à ce moment-là? C'était chargé et j'ai tout foiré. Ah génial. Je suis un idiot, ça avait chargé, j'ai tout mis à côté. Je suis ravi. Aïe. Pourquoi ça n'a pas marché? Attendez, faut que je fasse ça. Hop. Mais pourquoi ça t'a encore... Putain, j'en ai plein le cul! Je vous jure, j'en ai plein le cul. C'est de la merde. J'ai pu avoir de temps. J'ai pu avoir de temps en fait, c'est ça le problème. C'est que là, même si j'arrive à la défoncer, j'aurai plus le temps. Là. Eh oui, parce que je me suis pris un coup. Ah d'accord, parce que je me prends le phason derrière. Oh là 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 là. Oh, ah c'est de la merde. En fait, mais on sait pas où il est le phason de merde là. On voit rien. Oh, c'est chiant. C'est tellement mais supra relou quoi. On se prend le phason derrière en fait et du coup ça annule la charge quoi.
Vous avez vu? Je me suis repris une... Je me suis repris du phason dans la gueule. Mais pourquoi ça tire à côté? Pourquoi ça fucking tire à côté à chaque fois que le truc est chargé? J'adore ma vie, franchement c'est trop bien ce jeu. Il est trop chouette, on comprend tout. Vraiment c'est pas injuste du tout, vraiment c'est la le meilleur jeu du monde. merci Otto de me souvenir, de me soutenir vraiment. Ah ouais non c'est bon, je tiens le coup, je suis pas en train de péter un plomb du tout. Là encore je vais encore crever. Attends, je sais pas depuis combien de temps t'es là. Mais truc bien en fait quand tu meurs contre Samus ici. Voilà, voilà. Ça marche pas. En fait je suis déjà mort en fait là dessus. Et c'est bien, ça te fait pas refaire le dernier boss par contre. Donc ils ont quand même compris que leur truc était dégueulasse. Et donc t'as pas besoin de te retaper. Ah oh bah vas-y, bah me balance pas de phason carrément hein. Écoute Putain mais pourquoi je fais ça? Non mais j'en ai plein le cul. Ah bah le char... Là bah le... La Wiimote. Ça y est, la Wiimote est partie. Ça y est, là on a plus la Wiimote. Non, la Wiimote est finie. Regardez, hop là, hop là la Wiimote. La Wiimote ne marche plus. C'est fini la Wiimote. Non, mais la Wiimote elle veut plus. C'est encore Coco Golf le boss? Non, c'était un autre. C'était le roi banquier, enfin l'empereur banquier. Ah ouais, la Wii. Regardez la Wiimote. Regardez. Ah bah allez-y, hein, visez avec ça. C'est génial, j'adore. Non, en termes de gameplay, ça va. Non, honnêtement, le dernier boss, ça va. Il y a une astuce en fait, il y a une astuce que le jeu nous dit pas, mais une fois que tu vas regarder une vidéo de quelqu'un qui sait jouer au jeu... Comment voulez-vous que je joue avec cette merde? Comment voulez-vous que je joue avec cette merde? Regardez ça! Voilà. Regardez là. Je bouge hein. Je bouge, vous voyez que je bouge quand même. Regardez. Regardez les mouvements que ça fait. Mais je bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte ou quoi? Allô? Allô la Wiimote? Putain mais c'est le capteur ou quoi? C'est le capteur qui est en train de mourir? C'est le capteur qui est en train de me lâcher? Attendez, si j'enlève... Ah bah oui, en plus j'en ai pas besoin. Non, c'est tout autant la merde. Hein. Putain, c'est quoi? C'est le contre-jour qui fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, je peux juste pas jouer. Je peux juste pas jouer au jeu. C'est infernal. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? À force de rager, il y a une couche de potion sur le capteur. Mais non, je viens de l'essuyer. Je vais essayer de... Là, je m'écarte un peu. Je m'écarte un peu, on va voir si, si je m'écarte un peu, ça va être mieux. Non mais c'est ouf, quoi. C'est ouf. Comme si les boss n'étaient pas déjà assez casse-couilles. En plus, faut que je me tape une Wiimote qui marche pas, quoi. Puis je veux le finir, ce jeu de merde, là. Ben voilà, bah non, bah ça... Je sens la Wiimote qui vibre à mort en fait. Pour me dire, mais non mais je capte rien. Regardez ça! Regardez ça!
Non, mais... J'y suis presque. Honnêtement, j'y suis presque. Et en fait, là, le jeu veut... Oh putain, oh bah, là, je reste comme ça. Hein. Là, il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose où j'arrive à peu près à viser. Est-ce qu'on en profiterait pas à mort? Alors c'est compliqué, hein. Ça bouge pas comme j'ai envie, mais c'est déjà mieux. Hein. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'ai dû débrancher, rebrancher le capteur, comme tout à l'heure. Donc je me demande si vraiment le capteur est pas en train de crever. Bon, ça coûte rien un capteur de Wiimote, mais... Chier quand même. Imaginez en fait. Imaginez, j'ai fait tout le jeu en vétéran. Avec une barre, avec une Wii Sensor Bar qui marchait plus. Qu'est-ce que ça me donne comme... Oh là là, ouf. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, mais... Merde. Ah mais non, mais je peux pas viser! Je peux pas viser! C'est dégueulasse! Regardez, regardez! Regardez! C'est de la merde! Là ça a l'air d'être pas trop mal. Là ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai une autre... Est-ce que j'ai une autre... Ouais, j'ai une autre Wiimote en fait. J'aurais peut-être dû tester une autre Wiimote, effectivement. Allez, allez. Super, super, vas-y. Bon bah voilà, j'aurais pas pu tirer. Voilà, non mais c'est super, j'aurais pas pu tirer. Parce que bah, essayer de toucher le boss, c'est quand même surfait. Hein. Et, qui a envie de toucher un boss? Qui? Bah pas moi, de toute évidence pas moi. Et où? Ah, donc voilà la phase maintenant. La phase où on n'y arrive pas. Alors là. Comment on les récupère? Mais on peut pas. Mais j'ai réussi une fois. J'ai réussi une fois à récupérer les igouigouis là. C'est tout. Une fois j'ai réussi. On est bien hein. Qu'est-ce que c'est que ce merdier quoi? Ce gameplay à la bite quoi. Ah, attendez, parce que je l'ai pas scanné. Voilà, ça marche pas. Non, mais je scanne. Mais pourquoi elle a pas scanné? Ok. Super. Là, je charge. Là, je charge. Comme ils disent. Ils disent, faut charger. Alors là, faut que je récupère les trucs. Marche pas. Marche pas. Juste, ça marche pas. Je vais chercher l'autre Wiimote. Hein. Là le lock il se barre. Ta mère, Samus sombre. Ouais, ça me touche en fait. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment. Faut que je regarde un let's play.
Faut que je regarde dans la display, je sais absolument pas comment ils font quoi. Pour récupérer sans se faire toucher quoi. Regardez, hop, faut récupérer les machins là. Ça lui a rien fait. Allez, je reviens dans 30 secondes, je vais chercher avec une autre Wiimote. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Attendez, la pile à Palmer, elle passe pas? Non mais, jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Hop! Oh! Non bah non, même merde. Même merde. Bon. Pendant que je suis en pause. Est-ce qu'on peut pas voir le... Je me demande si on peut pas voir les... Avec un appareil. Non, puis la sensor bar marche bien. Hein. La sensor bar marche bien, j'ai les... J'ai les points infrarouges en fait là. J'ai les points infrarouges. Ils sont ok, ils sont bien allumés. Hein. Ils sont bien allumés, donc c'est pas ça. Je me demande si c'est pas le soleil en fait derrière. Hein. En fait j'ai le soleil en plein derrière et je me demande si c'est pas ça qui fout la merde. Vu que ça balance de l'infrarouge. Hein, la Wii Sensor Bar pour arriver à détecter. Et ben, je me demande en fait si c'est pas le soleil qui fout la grouille derrière. Il n'y a pas marqué dans le manuel de la Wii ne pas mettre la Wiimote en contre-jour du soleil. Sinon ça ne marche pas. Mais donc, ce que je voulais voir c'était... Parce que non seulement je galère, mais en plus je galère. Quoi une vidéo? Non mais une vidéo sur Dailymotion. Il y a... Attends, on s'amuse sombre. Prime 2. Non mais vraiment, on me propose un truc sur Dailymotion. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais je veux la fin, mais je veux la fin. Oh là là, Dark Samus. Dark Samus Prime 2. Ah, voilà. Enfin quelqu'un qui joue au jeu. Bonjour, c'est qui ce Mister Univers à l'écran? Eh bien, je ne sais pas, y a qui? Attendez, comment il joue? Comment il fait? Là il charge. Ah, il se fait toucher le cul aussi. Ouais. Vas-y. Ah ouais. Putain, il joue sur Dolphin en 4K 60 FPS, ça a de la gueule quand même. Et là quand les trucs viennent... Ah, il est aussi mauvais que moi, il n'arrive pas à les choper. Donc ça c'est ok. C'est bien, je suis tombé sur sur Let's Play, quelqu'un qui est aussi mauvais que moi, c'est bien, je suis content. Attendez, là il a fait du dégât entre temps.
Désolé, hein, c'est chiant pour vous, mais ça va être encore plus chiant si je passe 50 fois. Putain, je vois rien, quoi. Je vois rien. Ah, et après, faut bien la viser en pleine tête, quoi. Putain, c'est tellement chiant. C'est tellement chiant. Pff, coucou, patatarde, quoi. Je soupire pas pour toi, hein. Clairement, je soupire pas pour toi. Mais entre la Wiimote, là, qui a décidé de vivre sa vie... Ah, ça a l'air d'être... J'allais dire, ça a l'air d'être un peu mieux pour le lock, mais... Ah, le truc, il fait n'importe... Regardez ça! Ah, ça va être pratique de viser comme ça, hein. Donc... Pourquoi le... Attendez. Ah ! Oui ! Je l'ai touché. Vous avez entendu, ça fait... Je suis pas content. Bon, j'ai plus de vie, je vais encore crever, hein, mais... Mais j'ai réussi à faire un touche au tee, quoi. Putain. Vas-y. Il est pas chargé. Tu peux au moins... ça me fait un soupirant. Oh, joli. J'ai failli faire non, là. Imaginez, je fais non à ce moment-là. Là. Non, mais... J'ai battu lui depuis... non mais je vais passer plus de temps... Ouais bah ça y est. Ça y est, en fait je suis en train de passer plus de temps sur le boss où tout le monde dit finalement c'est juste pour la fin, c'est rigolo et en fait on l'éclate en 3 secondes. Putain mais... Je vous jure. S'il y a des gens qui regardent un jour ce let's play sur YouTube, ils vont se dire mais quelle catastrophe quoi. Par contre, ma Wiimote, celle-là, j'ai l'impression qu'elle marche mieux. Elle vibre pour de vrai. L'autre, elle vibrait pas, celle-là, elle vibre tout le temps. J'avais peut-être un problème avec l'autre Wiimote. Hein. No joke. Bon. Et allez, on s'en fout. On s'en fout des cinématiques. Allez, go, go, go. Oui, on a compris. Tu es pas contente. Ah bah je peux la scanner pendant ce temps-là, remarque. Non bah non, non, elle veut pas. Ah si, ça y est. Ça y est, au bout de 4 heures, je peux la scanner. Trop bien, on est content. Lock, lock, par pitié, lock. Non, il veut pas. Non bah je l'aurai pas. Et super, au moment où elle se remettait en phase invincible. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Ah là là, quel jeu merveilleux. Qu'est-ce qu'on rigole, on s'amuse bien. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on rigole. Qu'il est bien le jeu. Qu'est-ce qu'on rigole.
Ok, bon. Oh putain, je l'avais. Ah non, c'est bon, ça a marché. Ah bah voilà. Si tu pouvais continuer à me faire ça, ça serait parfait. Oh, moi, elle veut plus. Ça n'a pas marché. Sinon, vous amusez bien, vous? Est-ce que vous vous amusez bien? À me regarder galérer comme ça. Est-ce que ça vous fait marrer de me voir galérer ou pas? Merde. Je me suis fait full toucher là. Joker, merde. Oh, c'est dommage, hein. Je pensais vraiment que vous amusiez. Hein. Pourquoi ça me touche maintenant là? Mais des fois ça, des fois j'arrive à... Ouais, là. Ça marche... Oh là, c'était tellement loin là. Putain, ça marchait, ça marche plus. Hop. C'est bien parce que les missiles ça lui fait du dégât à chaque fois quoi, mais voilà, voilà, vas-y, 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 vas-y. Eh bah... Re-auto. Ça fonctionne mieux, c'est un peu mieux. Genre j'ai pas les mêmes vibrations sur la deuxième Wiimote. C'est pas ouf hein, donc je pense... Mais j'ai regardé avec mon appareil photo, enfin avec mon téléphone. Et la sensor bar elle marche bien. Hein. La sensor bar elle est ok. Hein. Parce que j'ai bien les points infrarouges sur la sensor bar donc... Allez. Allez, il reste quasiment plus rien là. J'espère que je vais avoir du temps derrière pour m'enfuir. Et merde! J'espère que c'était rigolo pour vous. Hein. C'est bon? Bah non, c'est pas bon parce qu'il faut encore que je m'enfuis en fait. Donc je peux crever. Je peux encore crever sur la fuite. Et la phase 2. Non, 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 là c'est fini. Là c'est fini, mais j'ai encore la fuite en fait. C'est ça le problème? Ah ouais, oui, il faut encore que tu t'enfuis, ouais. Mais c'est une blagounette. Ah non, d'accord, c'est bon. Ah mais c'est juste de la cinématique. Non... Si. Ah d'accord, le timing en fait c'était pour combattre Samus sombre. Non? Ok.
Ton four t'appelle. Otonoshi. Otonoshi. C'est moi, c'est ton four. Viens me voir, viens. Oh là là, ça y est. Fini quoi. Ah, finalement ils étaient pleins. C'est quoi ces bestioles? C'est les Luminotes. C'est les Luminotes, c'est ceux justement qui se faisaient défoncer par les banquiers. Ils avaient contracté des précofidis et du coup ils se faisaient défoncer. Oh! Oh là là, Samus qui fait un petit geste de la main sans se retourner. Oh là là. Quelle classe. Quelle classe cette Samus. Eh, pourquoi elle a plus l'armure de lumière Oh, un zéro suit de Samus quoi. La politesse est partie au champignon. Tiens, je voulais te demander, t'en es où de ton Half-Life, Otto? Attention, parce que... attention, son créneau. Vous vous rappelez de son créneau du début? Le créneau du début, c'était mal passé. Hein. A priori, c'est mieux. Putain, j'ai fini. J'ai fini Metroid Prime 2. Enfin. Eh bah. Alors Metroid Prime 3, je vous avertis tout de suite. Je suis à Nova Prospect, y'a plus qu'à libérer Eli. Ok bah ouais, t'es tout proche de la fin quoi. Oh là là. Ça y est quoi. Metroid Prime 3, je vous annonce tout de go. Il se fera en normal, hein. C'est hors de question que je fasse du vétéran. Mais vraiment, même pas en rêve. Putain, quelle purge! Ah, le 3, c'est pas tout de suite. et j'ai montré tout à l'heure. Après le 3... Après le 3, on aura ça. Oui, je sais, c'est écrit à l'envers, mais... voilà. Profitez, essayez de lire à l'envers. Mais non, j'ai envie de me faire un petit truc. Fezak et Wiki, ça va te changer. C'est prévu, hein. C'est prévu, il est dedans. Mais j'ai envie de me faire un petit jeu PC avant. Entre deux. Donc d'ailleurs, ouais. Je pourrais vous demander votre avis. Ah, attendez, Metroid Prime 2, je peux le bouger. Je peux lui donner une date de fin. Attribuer une étiquette à cette carte. Terminée. Une date d'échéance. Le 14. Zbram, il est fini. Hop. Et je peux archiver la carte. Ça y est. Il n'est plus dans ma to-do list. Oh, trop bien, hein, trop bien. Tiens d'ailleurs c'est marrant, Zack et Wiki, parce que le saviez-vous, Silent Genus m'a prêté Zack et Wiki, qui a priori un très bon jeu. Et quand je recherchais sur Le Bon Coin des gens qui vendaient Metroid Other M, en fait c'est souvent des gens qui vendent plein de jeux en même temps. Et il y avait justement Zack et Wiki, et je l'ai vu passer, donc ça m'a fait sourire. Voilà, mais non, non, il est prévu. Et donc, ouais, comme jeu, le prochain jeu un peu aventure que je veux faire, il y a Horizon Zero Dawn, il y a Outer Wilds et il y a Control. Donc, est-ce que là dans le chat, petit sondage rapide à main levée dans le chat, est-ce qu'il y en a un que vous préférez dans ces trois-là? Ou est-ce que pas du tout vous en foutez? Oh, je l'ai enfin fini quoi. Je l'ai enfin. Je vais tweeter.
Je vais tweeter pour le dire. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit Horizon. Zero Dawn. J'ai dit quoi d'autre? Je sais plus. Je sais. Oh putain, mon cerveau a vraiment fondu. Hein. Outer Wilds. Ou Control. Ah, je pourrais faire un sondage. Putain, je peux faire un sondage. Oh, première fois que je vais faire un sondage. Un sondage. Je vais avoir deux votes. Je vais avoir deux votes. Je vais être ravi. Outer Wilds. Ou Control. Durée de la question. 7 jours. Tweeted. Hop là. J'aurais pas dû faire en réponse, c'est pas grave. Toi, Horizon, supérieur à Control, supérieur à l'autre. Control et Horizon, je compte les faire un jour, mais je les ai lancés. Attends. Mais je les ai lancés et joué une ou deux heures chacun, mais j'arrive pas à me plonger dedans et à continuer. Mais Horizon semble bien. J'aurais pu lancer le sondage, mais t'as dit à main levée. Ah oui, non, mais très bien. 75% du jeu. En fait, j'ai fait le même. Le hyper mode. Eh, venez, on fait le jeu. Venez, on fait le jeu. Alors, 12h22, en fait, ça, c'est sans compter les recharges parce que je suis mort. Parce qu'en vrai, j'ai plus de 30 heures sur le jeu. Donc, j'ai passé 10 heures à mourir sur le jeu. Venez, on refait en vétéran, en hyper mode. LOL. Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie. Sauvegardez maintenant pour terminer cette partie de Metroid Prime 2. La prochaine fois que vous chargerez le fichier de sauvegarde, vous commencerez une nouvelle partie. Voulez-vous sauvegarder? J'ai pas compris la question, mais c'est pas grave. Allez, bisous YouTube. J'espère que tu t'es bien emmerdé autant que moi. À la prochaine.